On va continuer. Oui, les cils de bois, exactement. Qu'on trouve dans les machines. Dans les machines. Mais là-bas, faut pas. Ici, vous allez voir que j'ai donné deux processus pour avoir la matière. Là-bas, il ne faut pas faire la carbonisation. Ok. Parce que vous avez vu que là-bas, c'est plus fin. Oui. C'est déjà comme la poudre. Si ça passe par la carbonisation, ça va griller totalement. Vous n'allez rien vous faire déjà. Donc, on fait la pyrolyse là-bas. La pyrolyse, lui, consiste à faire quoi? C'est le même. Vous avez déjà pris l'image de. Oui, on a pris. Oui. Ok. Donc, la pyrolyse, c'est que. Lui, il utilise deux tonneaux au lieu de un. Le carbonisateur, lui, utilise un tonneau. Comme ça. Avec pile. Et la fumée sort en haut. Dans la pyrolyse, on utilise deux tonneaux. C'est-à-dire qu'il y a un premier comme ça, il y a le pied, et il y a un autre deuxième qui est intégré dans le premier. Maintenant, les cils de bois dont tu parles là, les cils de bois, comme le son, voilà, le son de riz, eux ils sont trop légers. Si on le fait la carbonisation, ils vont griller totalement, on ne peut pas recueillir quelque chose. Donc ici, dans ce cas, on utilise la pyrolyse. Pyrolyse, c'est deux tonneaux, bon, voilà, deux contenus un dans l'autre. Donc, dans la pyrolyse, à l'intérieur ici, c'est là qu'on met les cils de bois ou le son de riz. Et c'est fermé. C'est quelque chose, une boîte qui est bien hermétiquement fermée et qu'on met dans le premier, c'est comme ce premier tonneau-là, qu'on met dans le premier tonneau. Et maintenant, aux alentours, ici, on met d'autres végétaux plus solides, les bois, pour faire le feu. Et on ferme. Et il y a toujours le système de aération. Donc, quand le système de aération, il faut savoir que c'est circulaire et c'est pas plat. Donc, quand le feu rentre, tout ce qui est végétaux ici, ça brûle. Et quand ça brûle, la chaleur qui est à l'intérieur là, ça chauffe le tonneau de la matière. Et la chaleur là, se transmet aux petits éléments qui sont ici, les sons et la cire de bois. Donc, ils se carbonisent là-bas, ils deviennent noirs. Donc, eux, ils n'ont pas accès à la chaleur, pas du tout, mais la chaleur les atteint. Ils n'ont pas accès au feu là. Au feu là. La chaleur dans l'ambiance là, qui les chauffe là-bas et les carbonise. Okay. Voilà. Et là, on perd moins. Voilà, entre la carbonisation et la pyrolyse, c'est. Comment on appelle? Voilà, lui, c'est juste un seul tonneau. Ici, c'est un contenant dans l'autre. Voilà. Maintenant, lui, il prend plus de temps. Et si on prend 100 kilos, comme je le dis, on se retrouve entre 25 et 30 kilos. Et ça prend plus de temps et de durée pour se réaliser. Mais par contre, ici, la même matière que tu verses, tu le retrouves au moins à 75%. Je ne sais pas si vous voulez. Voilà. Parce qu'il ne se brûle, il n'a pas accès directement à la chaleur, au feu, ni à l'oxygène. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une chambre dans une autre chambre. Oui, je comprends. Voilà. Donc ici, on peut mettre d'autres végétaux. N'importe du qui bois, peut brûler. Qui peut brûler, voilà. La coque, tout. Exactement. Qui peut brûler. Donc, une fois que ça brûle dans l'enceinte là, et lui aussi, il est dans la même enceinte. Il va prendre la chaleur. Parce que d'abord, le tonneau qui est aussi c'est du métal. Donc, le métal va prendre la chaleur et cette chaleur va se répandre dans le son ou bien la cire de bois qu'on a mis dedans. Voilà. Est-ce qu'à la fin du processus, ça veut dire qu'on aura des matières ici? Oui, en fait, ça là, c'est pour faire la carbonisation ici, la pyrolyse ici. Donc, à la fin, ça va disparaître. Ça va disparaître, peut disparaître. Donc, on aura seulement tout ça. Ici. Ok. On aura seulement tout ça. Ok.
dépend des moyens que chacun a. Vous pouvez passer directement par la carbonation ou vous pouvez passer par la pyrolyse aussi. Donc, c'est les deux procédés par lesquels on obtient la matière carbonisée. Donc, ce qui est sûr, c'est la matière qui est ici, qui va passer par le broyage. Donc, le broyage va rattraper l'amidon pour faire le malaxage. Et après, l'outil va quitter pour aller dans la presse, le compactage. On peut avoir la presse manuelle ou la presse électrique. Et puis, voilà. Et etc. Ok, maintenant, si on prend par exemple la carbonisation, quand on met les végétaux dans le tonneau, voilà, tout ce qu'on veut. Le feu se fait ici avant d'être en mouvement ici. Alors, il y a un couvercle ici. Quand vous mettez tout dedans, là, vous enlevez le couvercle d'abord. Et puis, vous cherchez le milieu. Mais avant de mettre toute la matière première ici, on met un tuyau. Ok. On met un tuyau au milieu et on met tout dedans. Après, si on sort le tuyau, on peut mettre le feu, on aura on met le feu dedans. Comme les fourneaux là. Voilà, comme les fourneaux là. D'accord. Et après, on ferme là-dessus. Et c'est rien que la fumée qui va sortir en haut. Ok. Donc, voilà. C'est le processus. Et maintenant, dans ce cas, est-ce que, maintenant ici, je sais, on ne peut pas mettre le tuyau, Dans ce cas, c'est l'aération. Avec la réaction, simplement, on gère la combustion de tout ce qui est autour ici. Et quand il chauffe, donc, ce qui est à l'intérieur. Maintenant, le feu, c'est où on peut le mettre en oui, parce que ici, on peut le mettre. Parce que ici aussi, il y a un couvercle. Oui. Hein, donc, on peut le mettre n'importe où. On met le feu n'importe où. Salut, il y a pour moi des photos. On va me rire à que demi. D'accord.